Mots croisés 3. La nourriture. Bonjour à tous et à toutes. Voulez-vous m'aider à faire ces mots croisés? Numéro 1. Un végétarien, une végétarienne ne mange pas de... Il ne mange pas de... Viande. Viande. Numéro 2. On mange ce fruit qui peut être rouge ou jaune avec une salade. Qu'est-ce que c'est? C'est une tomate. Oui, c'est une tomate. Numéro 3. On trouve cet aliment dans l'eau. Qu'est-ce que ce sont? Ce sont des poissons. Cet aliment est un synonyme de pâtisserie. Qu'est-ce que c'est que cette gâterie sucrée? C'est un gâteau. C'est un gâteau. La France est fameuse pour la qualité de cet aliment. On l'achète dans la boulangerie. Dans la boulangerie. Alors, c'est du pain. C'est du pain. Qu'est-ce que ce sont? Qu'est-ce que ce sont? Ce sont des petits pois, des petits pois. Cet aliment, aux nombreux modes de préparation, peut être blanc ou jaune. Le camembert, et les mentales sont deux types de... Fromage. Fromage. Cet aliment au pluriel est typiquement italien. Les spaghettis, les tortellini sont des pâtes. Ce sont des pâtes. Alors, cet aliment est à base de viande, de poisson ou de légumes hachés et épicés. Qu'est-ce que c'est? Moi,
J'ai mangé ça avec des cornichons et du pain. Qu'est-ce que c'est? C'est du pâté, du pâté. On mange cet aliment surtout quand il fait chaud. Qu'est-ce que c'est? C'est la glace. C'est la glace. Et finalement, un vrai symbole de la France qui est autrichien. On mange cet aliment au petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un croissant. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.